chance for you to be happy. Well, give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Bon matin! On est rendu. On est quel jour? Et Léa, elle a tout un samedi, elle. On n'a pas encore bougé nos bacs de linge. Ben là, laissez-nous une chance, hein. On s'est parlé hier soir, puis ah, je vais repartir un deuxième café. Vous allez peut-être pas bien m'entendre, par exemple. Donc, on est rendu jeudi. Donc, aujourd'hui, jeudi veut dire jeudi colis. C'est les vaccins à Axel. Il y a l'air de faire encore beau toute la journée. J'avais déjà une activité en tête pour aujourd'hui avec la table sensorielle, fait que je vais tout vous montrer ça. Puis sinon, le reste de la journée, on va la passer dehors. Max va aller au vaccin à Axel parce que moi, je ne sors pas. Sincèrement, là, non. Moi, là, toute cette situation-là, je peux me permettre dans le sens que Max sort déjà, lui, là. Fait que, tu sais, c'est lui qui va à l'épicerie. C'est lui qui, quand on a besoin de quelque chose, fait des commissions. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont sûrement pas le choix. Si vous êtes mère monoparentale ou si votre chum travaille jusqu'à tard, les magasins sont fermés, vous allez. Hey, ça doit être quelque chose, par exemple, hein? Sortir avec les enfants en ce moment. La machine à café encore, un café, maman. Puis, mais tu sais, quand vous avez pas le choix, vous avez pas le choix. Mais moi, j'ai le choix. Fait que pourquoi ne pas rester à la maison? Fait que Max va aller au vaccin avec Axel. Puis, pendant ce temps-là, je vais être seule avec les filles. C'est à 2h30 son rendez-vous. Fait que, tu sais, les filles vont pouvoir se baigner. Je vous le dis, les filles, ils passent. Dès qu'après la sieste, ils vont dans la piscine. Puis, on sort pour souper. Puis. Maman, peux-tu m'ouvrir? Oui, maman. Là, ils sont pognés sur des bagels au caramel. C'est tellement santé. Mais hein, ça leur fait plaisir. Puis, de toute façon, on va bouger en masse après. Donc, c'est ça, je vais pouvoir vraiment travailler comme pendant la sieste et après. Si j'ai pas fini, au moins les filles se baignent. Moi, je peux travailler dans la piscine comme dans les marches pour les surveiller en même temps. Puis si je suis capable, si j'ai tout clenché mes affaires, là, je vais pouvoir me baigner avec eux puis en profiter en masse. Là, aujourd'hui, je me suis dit que j'essayais. Parce que là, je vous l'ai dit hier, là, je suis vraiment à bout de me sentir à moitié bonne ou à moitié poche dans tout. Fait que là, vous voyez, un matin, j'ai fait les posts que j'avais à faire, les stories que j'avais à faire. J'ai répondu aux quelques messages qui avaient rentré. Je vais faire le déjeuner à tout le monde sans regarder mon téléphone. On va sortir dehors. On va se crémer. Je vais les installer là, le temps qu'ils jouent tout ça. Je vais faire un petit blitz. Puis après ça, je vais faire au moins une heure ou deux là, sans regarder mon téléphone. Puis, t'es bonne, mon amour, je vais vous montrer. Miam, tu le fais pas chauffer? Non, Eléa, elle aime pas ça. Eléa, elle aime pas ça quand c'est cuit. Genre, tu sais, depuis toujours, là, elle veut pas qu'on fasse toaster ses toasts. Même quand, mettons, on se fait des bonnes sandwichs aux œufs toastés, elle est comme, non, moi, je voulais pas cuire. J'ai aucune idée pourquoi. Hey, pourquoi ça marche pas, mon café? Café. Alors, voilà, ça va être le plan de match de la journée. Mon but, c'est d'en profiter au maximum avec les enfants, mais d'être efficace au travail. Fait que, hein, on va voir si j'y arrive. J'oubliais. Tchii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 
monde a dîné. C'est bientôt l'heure du dodo. Avant, on pourrait ramasser, par exemple, hein? Hein, Axel? Je suis en train de détacher la cassette à Axel. Je pense qu'il va falloir que je remette au lave-vaisselle. Ça avait super bien marché, là. Dans le fond, vous mettez du détachant, vous la mettez au lave-vaisselle, vous l'accrochez avec un épingle pour pas qu'elle vole. Puis après ça, laissez-la sécher un peu au soleil. Ça avait toute partie. Mais là, ça, c'est sa crème solaire teintée, là. Mais je vous dirais, là, il y en a plein qui me demandaient si la... Parce que moi, j'utilise la crème solaire Sunbrero. C'est une nouvelle crème solaire... attendez, je vais vous essuyer. Québécoise. C'est un gars avec qui j'allais au secondaire, en fait. Mais je savais pas tout de suite quand il me l'a envoyé. Là. C'est comme par après, j'ai découvert qu'on allait au secondaire ensemble. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches parce qu'on s'entend que je mets pas n'importe quelle crème sur Zoé. Puis elle est vraiment comme approuvée Santé Canada, hypoallergène, blablabla, blablabla, UVA, UPS, toute la grosse affaire. Là, il disait que ça faisait plus qu'un an qu'il travaillait avec des recherchistes, des chimistes, des biologistes, pas trop quoi, pour qu'elle soit vraiment... dans le fond, leur but, c'était qu'ils sortent une crème solaire qui est comme pas vraiment sur le marché, là. Dans le fond, que tu peux autant le mettre à tes enfants, bébés, mettons, là, jusqu'à même nous. Fait que, tu sais, exemple, tu vas à quelque part, un jour ça va arriver, tu traînes juste une crème solaire et non comme l'huile pour maman, la crème solaire pour papa, la crème solaire pour bébé, la crème solaire pour hypoallergène. Fait que moi, j'aime vraiment ça, là. Ça s'appelle Sunbrero, mais là, je pense, vous voyez, là, en ce moment, il n'y en a plus. Mais ils ont fait un restock, fait qu'on en va vraiment bientôt, puis je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est une, vu que c'est, en tout cas, vous allez remarquer, toutes les crèmes solaires qui sont vraiment, vraiment hypoallergènes sont minérales. Et quand c'est minéral, c'est là que ça tache. Fait que c'est exemple que vous avez taché vos vêtements avec la crème solaire minérale blanche l'année passée. C'est un peu le même principe, là. Moi, qu'est-ce qu'il y a, Axel? T'es-tu pris? Allez voir, Axel. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Allez le voir. Bon. Il était pris entre les deux. Tu sais, ma maisonnette, elle est comme... La porte a séparé en deux, il était pris entre les deux, pauvre petit minou. Fait que c'est ça, fait que c'est la même chose. Fait que moi, dans le fond, quand les filles ils sortent de la piscine, je mets du détachant, exemple, sur leur maillot blanc. Parce qu'on s'entend que moi, j'achète pas vraiment de linge d'été blanc à mes enfants. Mais les maillots, on a des maillots blancs, là. Fait que je mets du push-push, puis je le mets dessus dans la veuve, puis ça attache zéro, là. Je dis pas si, mettons, vous en mettez sur une serviette, puis que vous laissez la serviette dehors, puis après ça, vous essayez de la laver, peut-être que ça va tacher, mais c'est comme n'importe quelle crème solaire. Il m'expliquait, justement, que tout ce qui est crème solaire minérale, c'est sûr, tu sais, c'est teinté, c'est soit blanc, soit ça va tacher blanc, soit ça va tacher brun. Mais voyez, à date, moi, ça passe super bien, autant sur les casquettes. J'ai vraiment fait ça. Détachant, lave-vaisselle, puis après ça, j'ai laissé sécher au soleil, puis ils sont redevenus comme neufs. Là. Fait qu'un petit truc, si vous n'avez pas comment laver vos casquettes, on s'entend que l'été, là, ils deviennent dégueulasses. Là. Tu crèmes dans le front, ils jouent dans le sable, dans l'eau, dans la boîte, dans tout. Là. Fait que c'est vraiment le meilleur truc. Là. J'ai vraiment été sur YouTube, puis tapé, puis fait des recherches parce que je voulais mettre un tutoriel de comment laver les casquettes sur notre Instagram de Will & You parce qu'on a une cliente qui l'a fait tremper puis elle a dit que ça allait comme déformer. Fait que là, j'étais comme, on va trouver la meilleure façon puis c'est vraiment ça qui revenait le plus souvent. Fait que petit conseil de môme ou d'entrepreneur, comme vous voulez. Alors là, j'ai laissé jouer les filles un peu parce que là, je me suis comme mis les pieds dans pas les pieds dans le plat, là, mais un matin, Axel a dormi. Ben, ils viennent de dormir en fait, là, fait qu'il était 10h et mais il n'a pas dormi vraiment longtemps. Là, puis quand il dort le matin, souvent, il faut que je repousse un peu. C'est soit que tout le monde dort vers 11h30, soit que Axel fait une sieste vers 9-10h, puis que j'ai couché plus vers midi et demi, 1h. Mais là, tu sais, comme il fait beau, j'y laisse jouer. Puis quand que je vais voir qu'Axel, il va commencer à chigner, c'est-à-dire qu'il est fatigué, là, je vais coucher tout le monde. Hein. Puis là, aujourd'hui, je suis vraiment contente. À date, ça fonctionne super bien ce que j'ai fait. J'ai préparé le jeu un matin avec le riz. J'ai utilisé les rondelles vives là, pour mettre dedans. Puis les enfants aimaient ça, mettre dans tous les petits compartiments le riz. C'est sûr que ça fait tout un mess, là, hein? On se le cachera pas, là. Regardez ça. Mais, regardez, ils jouent encore. Mais j'ai dit à Max, hier, j'ai une amie qui est venue. Puis elle est venue avec sa souffleuse parce qu'elle voulait que je le fasse. Salut, mon amie Andréane. Mais, ça, mon Dieu Seigneur, ça là, c'est comme ma Dyson, c'est comme ma machine à laver les tapis.
les divans. C'est incroyable. C'est tellement satisfaisant. Mon Dieu que je vieillis. Moi, tout ce qui, genre, qui lave, puis tout, je suis comme, ah, jouissance. Autant que ma machine à café. Qu'on est rendu adulte, hein? Alors, c'est ça, ça allait vraiment bien, là. Dans le fond, pour enlever le sable, moi, des fois, avant de recevoir, je passais une hose. Mais tu sais, on s'entend à l'eau gaspillage d'eau. Puis en même temps, après ça, toute ta terrasse est mouillée. Mais là, avec le souffleur, là, un souffleur, c'est un souffleur. Ça allait tellement bien. Fait que j'ai dit à Max de m'acheter ça pour enlever le riz. Mais on s'entend, là, c'est ça. La moitié, il en reste encore, puis l'autre moitié est à faire. Mais c'est pas grave, les enfants, pour vrai, le plaisir. Là. Puis tu sais, ça coûte quoi un méga? Nous, on achète les sacs de riz basmati vraiment gros. Fait que ça me dérange pas tant de prendre, de perdre une tasse et demie. Là, dans... Les enfants ont bien du plaisir, puis les trois, on a joué ensemble les quatre. Puis après ça, quand Axel s'est endormi, là, je suis allée chercher mon téléphone, j'ai clenché, puis là, je suis à jour dans tous mes messages. C'est sûr que là, je vous parle, je serai plus à jour. Mais au moins, c'est pas comme hier que j'essayais de répondre à une cliente. Là, je gérais les enfants, je pognais les nerfs après les enfants, puis je perdais le message de ma cliente, j'oubliais de faire quelque chose. Fait que là, tu sais, j'aime vraiment mieux. Écoutez, on va y arriver à trouver le juste milieu dans tout ça. Mais là, vous voyez, j'ai juste sorti ma caméra, mon téléphone est en dedans. Je vais jouer avec les enfants. Ouais, je vais jouer avec les enfants. Puis quand que je vais voir qu'ils vont commencer à être chignons, je vais aller coucher, puis là, je vais pouvoir travailler sur mon téléphone. Hein, Timinou? Là, t'as fait un petit dodo, tu dis-tu allô? Tu donnes-tu des bisous? Donne-tu des bisous? J'ai commencé à faire ça là, hier justement quand mon ami est parti. Il est là. Genre, il fait juste ça. On est comme bisous! Bisous! Puis ce soir, j'aimerais peut-être ça faire quelque chose de spécial. J'avais dit aux filles s'il était fine peut-être, mais là, mon ami a dit qu'il annonce la pluie. En tout cas, s'il pleut pas, de faire un feu puis installer les enfants ici avec un film sur mon ordi puis du popcorn. J'aurais dit qu'on pourrait remplir ça de popcorn. Fait que on va voir si Max est pas trop fatigué ou si on peut quand même faire ça de bonne heure. Je sais juste pas si on va bien voir avec l'écran le soleil. Là. Mais peut-être ce soir. On va voir le comportement des enfants. Comme je vous disais tantôt, c'est le vaccin à Axel. Fait que là, je vais aller profiter du beau soleil. Il vente pas mal. Ça me surprendrait pas non plus qu'il pleure, mais en même temps, le ciel, il est bleu. En tout cas, on verra ça. Fait que on joue avec les enfants. Ah, il est rendu 7h30 déjà. Ma mère est venue tantôt porter des saucisses William. C'est ça, je suis en train de couper. Puis là, on dirait que moi, quand je reçois le jeudi, là, ça fuck toute ma patente parce que là, le jeudi, c'est mon jeudi colis. Puis en plus, tu sais, habituellement, je le fais dès que Max arrive de travailler. Mais là, j'étais comme, tu sais, il y avait le vaccin à Axel. Puis, tu sais, c'est comme trop pressé. Puis ça me tentait comme pas de le faire garrocher. Fait que je suis là, vas-y. Puis je le ferai un après-midi. Finalement, ma mère est passée pour venir me porter des saucisses Williams. Puis, venir prendre un verre dehors. Fait que, tu sais, on a profité. On a jasé en masse. Là, pal-pal, jase, tu sais, vu qu'on se voit beaucoup moins que d'habitude. On n'a pas vu le temps, puis il était rendu 6h. On était comme, parce que nous, nos enfants, à 4h50, sont assis à table. Là. Fait que là, au moins, on avait des saucisses. Mais là, on voulait faire, qu'est-ce que je vous avais dit à matin, là? Faire un feu, puis là, même, j'étais comme, on pourrait faire les saucisses sur le feu. Ce serait vraiment cool, le souper. Tu sais, imaginez, le souper, on aurait fait bouillir les... Ben, en fait, on a fait bouillir les saucisses. Puis on s'est dit, on va comme les couper en trois, puis on va pouvoir les faire comme, tu sais, comme des guimauves puis des saucisses sur le feu. Fait que là, on part le feu, je pars mon jeudi colis, tout va bien, puis là, il se met à pleuvoir. Fait que là, continue mon jeudi colis en dedans. Finalement, fais souper les enfants vite, à temps, parce que là, il y avait faim, eux autres, tu sais, ils mangent de bonne heure habituellement. Puis là, moi, fini mon jeudi colis, qui était quand même long, Max qui donne les bains à tout le monde. Fait que c'était pas mal, la course, là, c'est le bordel partout dans la maison. Vous pouvez même pas imaginer, genre, notre chambre, mais c'est horrible, là. Je vous l'ai dit, là, mais c'est vraiment horrible. Puis là, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas mangé. Max a mangé, genre, une demi-saucisse sur le fly en gérant les enfants. Fait que là, j'ai proposé d'aller coucher avec elle. On a mis un petit film aux filles. Mais tu sais, on s'entend, il est 7h30. Habituellement, ils sont couchés à cette heure-là. Fait que c'est vraiment juste pour qu'ils s'endorment. Puis, je fais un riz aux saucisses vu qu'il n'y a pas le temps de souper. Fait que là, dans le fond, je coupe des saucisses, les saucisses William qui restaient. Je sais pas si vous avez ça dans votre coin, là, mais c'est vraiment bon. J'ai eu le temps de prendre ma douche aussi. Je vais mettre des champignons. Je vais faire cuire des champignons dans une poêle avec, je pense, j'ai comme, je vais comme faire un tout-ski, là, un peu. Un riz, c'est toujours un tout-ski, hein, nous autres.
Puis des tomates, mais ça, les tomates, moi, j'aime pas ça quand c'est cuit. Fait que j'y rajoute juste dans le mélange après, là. Fait que je vais faire... dans le fond, je vais faire cuire les... Attendez, j'essaie de me trouver un plan de match. Je vais faire cuire les saucisses avec les champignons dans poêle. Puis après ça, je vais rajouter... J'avais sorti des cubes de fromage. Je sais pas où. Cubes de fromage, puis... Oh, mon riz est bas. Puis tomates. Fait que je vais faire ça, puis je vais revenir. C'est bizarre. Fait que tout cuit. Fait que pendant ce temps-là, je vais vous montrer. J'ai reçu enfin... mes sirops pour le café pour faire mon vlog, ben mon vidéo spéciale que je testais plein de sortes de café. Vous êtes plein à m'avoir demandé sur Instagram, c'est quand, mais j'attendais mes maudits sirops. Fait que je vous montre toutes mes sortes que j'ai commandées. Il y en a en titi, les amis, que j'avais genre commandé 100 kg de sirop. Ah, je vous montre ça. C'est bizarre, il y en a en plastique puis il y en a en vide. Zuzu, c'est dodo! Alors, j'ai... commander le traditionnel vanille. Là, dans le fond, moi, j'ai pris la marque Torani sur le site Torani, mais je vous le dis, le shipping était vraiment long. Mais c'était pas cher, c'était genre 9 et quelque chose pour une affaire, fait que ça m'a coûté ça, là, 100 quelques piastres. Donc, vanille, caramel salé, macadam, ça, c'est un qui est revenu vraiment souvent. J'ai jamais essayé ça, mais je m'en fais tellement parler que d'après moi, demain matin, j'essaie mon café avec ça. Hazelnut, c'est noisette, ça. Noisette. Moi, je m'en enlève. Pumpkin spice. Ça, c'est surtout pour les petits cafés, les petits lattés d'automne. Lavande. Parce que j'avais reçu, j'avais été souper à un moment donné au resto. Le Love, tu sais, le resto végétarien là, à Montréal. Puis j'avais pris un latte à la lavande. Puis il nous avait donné un cadeau qui était du sirop de lavande. Puis je capotais. Pour vrai, j'en fais souvent. Là, puis je me suis dit, pourquoi ne pas commander le gros? Parce que j'avais reçu comme un mini. Fait que ça, je sais que j'aime vraiment ça. Lui, il m'intrigue vraiment. Le cheesecake. J'ai vraiment. Je vais aller googler, genre, s'il y a des recettes. Et lui, au coconut. Ça aussi, je pense que je vais le sentir avec vous. Je sais pas, par exemple, c'est bon combien de temps on va, mais tu sais, vu que je vais faire les vidéos, je vais toutes les ouvrir. Fait que je suis mieux de... Le COVID est mieux de venir pour que je reçois pour faire des cafés à tout le monde. Parce que c'est poche, là, tu sais. Je passerai jamais tout ça avant que la date soit finie. Au pire, je vais en donner, je pense. Ouais. Je vais en donner à mes amis puis ma famille ce qu'ils veulent. Là. Oh, mon Dieu Seigneur! Ça sent vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Fait que je vais leur trouver une place dans mon petit... dans mon petit truc à café. Regardez ça, je suis peut-être pas Maxime, mais ça a l'air bon. Ouh! Tu dis bye-bye aux amis? Il écoute ça dans le tapis. Fait qu'on a soupé en vitesse, moi et Max, parce qu'Axel voulait pas dormir. Il a fait une sieste tantôt à comme... 4 heures parce qu'il était brûlé de son vaccin. Ah, il est allé à son vaccin aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Ça a bien été, là, dans le fond. C'était le vaccin de 12 mois un peu en retard, là, il va avoir 14 mois. Parce que, donne-moi la manette, Eléa, c'est trop fort, là. Puis, tu sais, c'est lui de la varicelle, je sais pas trop, fait qu'elle disait que ça se pouvait que pendant 48 heures, il y ait des rushs de boutons. Puis qu'il soit chigneux. Fait que mon chum était comme, ben, ça fait 14 mois qu'il est chigneux. Mais là, c'est ça. Fait qu'à 4 heures, il était vraiment brûlé. Fait qu'on. Axel Max l'a mis dans la poussette pour l'endormir. Fait qu'il a dormi un peu. Puis, c'est ça. Fait que là, il essaye de le coucher à 7 heures. Il voulait rien savoir. Fait que là, il l'a réessayé. Là, on l'a laissé courir un peu partout pendant que Max faisait la vaisselle. Puis moi, je pliais le linge, je vous le dis. Là. J'aimerais vraiment ça en ce moment. Claquer des doigts. Là, puis que la maison soit rangée. Là, c'est. Juste me coucher dans un environnement même. Là. Genre, je pense que je vais ramasser un peu avant de travailler, là, pour vrai, là. J'ai comme plein de boîtes, plein d'affaires, en tout cas. Fait que je pense que je vais ramasser une couple de minutes avant de me coucher. Fait que je voulais vous dire un gros un gros bye-bye. Comme je vous dis, je sais pas quand qu'il n'y en aura pas de vlog. Il faut vraiment que je fasse réparer ma caméra. Mais là, aujourd'hui, j'ai reçu mes sirops. Fait que je vais pouvoir bientôt vous faire le vidéo spécial café. Ben non, le sirop de café. Puis j'ai reçu aussi, ouais, j'ai reçu aussi une trousse à comment ça s'appelle? Daitai? Non. Mais en tout cas, c'est l'affaire là des. Tu sais, ça fait comme des. Ouais, j'ai un blanc.
En tout cas, de peinture, là, ça fait comme des spots, là, c'est ça le, la mode en ce moment. Là. En tout cas, fait qu'on va faire ça ensemble dans une autre vidéo aussi. Fait qu'il y a plein de vidéos, il faut juste trouver le temps pour le faire. Fait que je vous dis un gros merci d'avoir suivi encore cette journée. Il faisait pas très très soleil, mais cette belle journée. Puis on se voit un autre jour!